La cervicobrachialgie est une condition assez commune, causée par plusieurs facteurs, et qui engendre une douleur qui prend racine au niveau du cou et qui se propage jusqu'à l'avant-bras, ou même parfois jusqu'aux doigts. Symptômes de la cervicobrachialgie, en plus des sensations de douleur au niveau du cou, qui se répandent jusqu'aux bras, la cervicobrachialgie se caractérise par les symptômes suivants, rougeur, vertige et nausée, difficulté à bouger le cou, maux de tête, une grande sensibilité musculaire, sensibilité accrue, crampes intenses, sensation de froid ou de chaud intense. Traitement, bien que la cervicobrachialgie requiert un traitement personnalisé, que seul un professionnel de santé peut offrir. Une prise de médicaments contre la douleur et l'inflammation ainsi que des séances de physiothérapie sont généralement le traitement recommandé. La physiothérapie permet d'apaiser les douleurs et de restaurer le bon fonctionnement des extrémités du corps grâce aux infrarouges, massages, ultrasons, électrothérapie et aux mobilisations passives. Mais vous pouvez également utiliser la thérapie du chaud-froide, douche chaude, l'application d'une bouillotte ou des massages à l'alcool de romarin peuvent s'avérer très efficaces pour apaiser la douleur de la cervicobrachialgie. Sachez cependant que les spécialistes recommandent un certain temps de repos pour cette maladie. Il est également recommandé de dormir sur le dos, en plaçant le bras douloureux derrière la tête. Généralement, la cervicobrachialgie se soigne bien et a un pronostic positif. Les personnes atteintes par cette pathologie qui n'ont pas d'antécédents en guérissent en moyenne au bout de 4 à 6 semaines.